Et bonjour, Scrapeur de français de tout pays, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto, mais pour les enfants. Voilà. Alors, comme c'est bientôt Halloween, vendredi soir, c'est le 20, c'est les vacances. Donc, ça va les occuper un peu pour Halloween. Donc, pour ça, je vais vous laisser sur mes mains, puis vous dire à peu près ce qu'il faut faire. Parce que j'ai préparé, je ne sais pas combien de trucs. J'en ai plusieurs à faire, tuto, mais j'ai un souci. J'ai la tuyauterie dans le cellier qui est bouchée. Hier, j'ai ramassé l'eau. Je ne sais pas d'où elle est arrivée. Aujourd'hui, j'ai fait la machine. Ah, ben j'ai compris, la tuyauterie est bouchée. Je vais voir la voisine. Elle me dit, ah, ben oui, la tuyauterie est bouchée. Mais non, oui, bref, là, tu ne pouvais pas le dire, non. Enfin, bon, bref. Je m'en débrouillerai demain avec le bailleur. Bon, allez, je vais oublier ça sur mes mains. Mais enfin, bon, en attendant, il a fallu que je me remue la machine à laver et tout. Je ne vais pas le refaire à 50 fois. Donc, il nous faut des fils de. Comme on a là chez Action. D'ailleurs, ils aiment bien. Mais je n'ai pas pris le paquet. J'ai sorti tous les noirs que j'avais des paquets. Et puis, voilà, des fils chenilles. Voilà. Il va nous falloir de la laine comme ça. Et j'aurais pu utiliser le pistolet à colle. J'aurais préféré. Mais bon, comme c'est les enfants, la colle. Le pistolet à colle, c'est chaud, ça brûle, c'est dangereux. Donc, on va utiliser du double face de chez Action. Et on va prendre les fameuses demi-boules que c'est pour ça que je vous disais que je voulais faire des choses. Bon, voilà. Alors, allez, on en sort une. Ouais, on ferme le paquet parce que si je le ferme pas, je vais tout de même les ramasser par terre tout à l'heure. Voilà, ça je le prends. Et on prend le double face. Et puis on va entourer tout le tour de double face. Ça va aller assez, ça devrait aller assez vite. Voilà. On va en mettre là, tout le tour. Voilà. Je sais pas si ça va marcher mon truc, mais enfin bon. Je vais le mettre comme je peux. Et surtout comme il veut. J'espère que je vais en avoir assez. J'ai pris celui que j'avais sous la main. Bon, bien sûr, maintenant il me faut les ciseaux. Qu'est-ce que j'ai fait des ciseaux? Oh mon sang, ils sont là. Hop là. Ouais, je me suis. Non, j'ai pas fini. Ce que je veux finir, ça arrive demain. Donc ça. Déjà. Alors, je me suis déglingué un meuble. Il va falloir que je me l'arrange. Allez, je joue la bricole. Il y avait longtemps. Donc, je laisse le papier dessus. Ça évitera qu'on se colle les. Et je refais tout le pareil, couche par couche. Voilà. Couche par couche. Oui, bon. Je ne sais pas si ça va bien marcher. Oh, mais comme ça, vous verrez si je me trompe ou si je ne me trompe pas. Et voilà, on va le faire comme ça. Comme ça. Je vais vous montrer après. Comme ça. Comme ça. Et là, on arrive au bout. Et on coupe. Voilà. Alors, vous voyez, ça fait ça, ça fait ça. Et ça, je le fais comme ça. Voilà. Ensuite, on va commencer à faire un tour. Alors, où est le bout? Est-ce que c'est. Je n'en ai pas 50, de toute façon, j'ai que celui-là. Alors, attendez. Normalement, les bouts pour commencer. Oh, parfait. Ah, nickel. Ça y est, la noire ne savait pas quoi en faire. Eh bien, vous allez voir ce qu'on va en faire. Alors, comme d'habitude, moi, je cherche là où il y a le tissu. Ça glisse. Alors, maintenant, il faut le décoller. Ça, c'est toujours le même topo. Puis alors, ah, puis alors, quand ça veut, quand ça veut pas. Ah, ça y est, je l'ai eu. Donc, je commence, je prends là où il y a le tissu. Bien sûr, sur le long, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais bon, et je commence à le coller comme ça, tout le tour. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, pour les enfants, c'est plus pratique.
Voilà, à faire un tour, à faire le premier tour déjà. Voilà, vous leur faites décoller petit à petit le double face. Ça tient, hein? Ouais, finalement, ça économise un peu la colle. Voilà, là c'est mon premier, je suis toujours à mon premier tour. Hein. Tu vas t'y mettre. C'est quel noir, là, je ne vois pas Grindhouse non plus. Voilà, là ça y est, là j'ai fait mon premier tour. Là, à mon premier tour. Voilà, on arrangera après. Ouais, on va faire une araignée, oui, je ne vous l'ai pas dit. Donc une araignée, ben là je vais le plier en deux. Ça va me faire deux pattes. En fait, il en faut quatre. Hein. Voilà. Dans les paquets de chez Action, il n'y en a que cinq. C'est pas grave. Là. Alors, je vais essayer de vous faire les tutos aujourd'hui pour que vous les ayez pour la semaine. Parce que quand ils vont venir me réparer là. Alors, 2, 4, 6. Et encore un, ça fait 8. Voilà. Je me disais toujours, j'ai acheté les fils finis, je ne sais pas pourquoi faire. Ben ça y est, j'ai trouvé. La laine noire, je disais aussi pareil. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me faire? Et là, ce que vous faites, eh bien, vous allez piquer. Oui, il faudrait peut-être faire un trou. J'aurais dû prendre mon pic. Et puis là, je n'en ai pas. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre le ciseau. La pointe du ciseau. Je vais en faire. Alors là, je suis là. Je vais en faire un là. Et je vais rentrer mon fil chenille s'il veut bien. Voilà. Et on fait comme ça quatre fois. L'avantage, c'est comme ça se module. Allez, et moi je vais le faire, il va falloir que je le fasse 8 fois. Tant que tu sais où tu as fait les trous, tu ferais mieux de l'enfiler. Ah là, parce que s'il y a du fil de fer dedans, ça commence à prendre forme. Hein. Voilà, le deuxième, je l'ai fait par là. Voilà, le troisième, pas le deuxième. Un quatrième, pas trop sur le devant quand même, parce que bon, après, il faut lui faire. Alors, je sais pas trop comment je vais faire pour faire à la bouche, j'ai pas réfléchi à ça. C'est maintenant que j'y pense, tiens. J'ai pensé aux yeux, j'ai pensé à beaucoup de choses, mais pas. De toute façon, la bouche, on la voit pas, alors. Bon, tu l'as fait où, le trou en douille? Ah, il est là. Voilà. 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 Et toi, je vais essayer de te mettre. Aïe, ah, ça tient le double. Déjà, on a un côté. Voilà. Ça fait vraiment araignée. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Avant de continuer avec la laine. Je l'ai. Là. Je vais mettre ici. Ouais, j'enfonce assez pour pouvoir retrouver. Il faudrait déjà que je retrouve le trou. Ok, couillonne. Mais vous croyez, vous? Où il est? Et où est-ce? Et où je l'ai fait? Là. Donc, je l'ai là. Ça vaut mieux les faire au fur et à mesure que voilà. Et toi, tu vas rentrer parce que je te jure que tu vas y aller. Je vais t'y faire rentrer dans le bidule. Ah là, non, mais qui est-ce, Loumest, assis ou voilà. La deuxième. Ça, faites-le vous-même, ne le faites pas faire parce que des fois qu'ils se plantent les ciseaux aussi dans les mains, vous savez pas l'âge qu'ils ont, mais même fait un bon.
Il faut quand même un ciseau pointu. Deux. De trois, plutôt. Pas de deux. Allez, rentre. Ah, tu ne veux pas rentrer? Tu veux rentrer. J'ai décidé. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Et on modulera les pattes après. Quand on aura terminé. Alors, la laine noire, vous en trouvez. La laine comme ça, fourrure, vous en trouvez encore riche à Tio. Et même la marron, elle a pas l'air de plaire beaucoup, la marron. Mais moi, je pense que. Ah, j'ai jeté comme ça là aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui, puisqu'on est dimanche aujourd'hui, il y en a une qui part aujourd'hui, il y en a une et qui me dit, on ne la connaît pas ta mamie Cole. Eh bien, mamie Cole, c'est la maman à Rose Bonbon Coco. Voilà. Comme ça, elle a une chaîne, vous pourrez aller voir. Elle fait des trucs superbes. Surtout, elle est partie dans la déco de Noël. Punaise, la pauvre femme, elle s'est triée, tous ces trucs de Noël. Oh là 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 là. Ça me fait peur. Parce que j'ai dit, moi c'est pareil, j'ai une, deux, mais c'est pas des petits bacs comme elle que j'ai, moi. Hein. J'ai deux énormes, plus des petits à côté, mais bon, enfin, il y a des trucs qui. Sans compter les pignes de pelle, les rondelles, les petites rondelles de bois, les petits ronds de bois. Là, j'essayais de décoller à double face pour faire le deuxième tour. Ah là. Là, je vais le décoller. Okay. Une oreille qui siffle. Là, là, là. Tant qu'à faire, tant qu'on y est. Je vais prendre de celui-là. Essayons ça, mais oui. Punaise, si ma fille, elle voyait ça, elle comme un veau. Eh bien, tu veux pas coller? Ah, tu veux pas coller, toi? Bon, on va mettre de l'autre, hein. Ah, punaise, il y a tout qui colle, mais pas là où il faut. Je vais en mettre un bout. Là, comme ça. Là. Au lieu de faire le tour. Là. En mettre un bout à cette côte. Bon, ça va, je peux vous le faire là, ça, parce que. C'est un endroit, je ne sais pas quoi c'est. Alors on est reparti. Par contre, on passe, on laisse les. On met les pattes comme ça. Vers le bas. Ça colle. Vers le bas. Et on continue à monter notre. Ouais, j'aurais pu le tricoter aussi. Oui, tiens, c'était une idée ça aussi. Mais bon, moi, tricoter en rond, j'ai pas d'aiguille circulaire. Puis moi et le tricot, bon, si je me suis acheté la laine, mais je sais pas encore ce que je vais faire avec. C'est une lubie, ça encore. Mais là aujourd'hui, on n'a pas, il fait pas bien chaud là. Jusqu'à hier, ça va, c'était assez. Mais là, le ciel il s'est couvert, on n'a plus de soleil. Voilà. Et là maintenant, je vais décoller. Ceux-là, s'ils veulent se décoller. Et on va continuer jusqu'au centre. Hein. Là, vous pouvez en mettre dessous aussi si vous voulez. Faites comme vous voulez, là. Oh, boudier. Zen. C'est pas en t'énervant que tu vas y arriver, tu le sais. Mais il faut quand même que tu rouscailles.
Oui, alors je vous disais la Mamie Cole, et bien la chaîne, c'est tout simplement, c'est Mamie Cole. Voilà. C'est la maman Rose Bonbon Coco et de la chaîne Rose Bonbon Coco, c'est la maman Coco. Et elles ont la même passion toutes les deux. Voilà. Voilà. Et je trouvais qu'avec cette laine, ça devrait le faire. Voilà. Et la colle tout le long, tout le tour. Par contre, à un moment donné, oui, je vais utiliser la colle chaude. Je vais être obligée. Je ne peux pas faire autrement. Mais je vous expliquerai quand et pourquoi au fur et à mesure. Voilà. Elle est bientôt faite. J'aurais dû la faire un peu ovale, t'aimes mon araignée, parce que finalement, une araignée. Voilà, ça y est, je suis arrivée au milieu. Voilà, là, là. Oui, parce que si j'en avais pris une, je peux le faire encore. Hein. Une araignée, quelque part, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Mais bon, pour moi, quoique. Attendez, je vais tenter de la faire à la colle chaude, celui-là. On va voir ce que ça va donner. Mais déjà, vous avez un exemple de la première. Ah, non, mais ça, je vous dis, ça me pète comme dans la tête, comme je sais pas quoi, il y a des moments. Voilà. Je vais la faire, mais à la colle chaude, celle-là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il est vert qu'il chauffe déjà. Enfin, si, il chauffe, mais bon. On va le faire. Allez. Quelle andouille. Mais quel bourrique. Allez. Ben, tu vas pouvoir enlever le truc, il aura refroidi. Il est où le tissu? Le bout du tissu. Et je le vois pas. Attendez, là je le vois. Là je le vois. Là je le vois pas. Là je le vois. Oui, bon, allez, hop. Hop. Ça tient ou ça tient pas? Ça tient, ça va pas tenir. Ah là, c'est pas grave, on l'enlève. Allez, on recommence. On n'en met pas beaucoup. Toujours pareil, ça c'est l'inconvénient des fils. Là par contre, je pourrais pas les enlever avec le briquet. Il faudra que je fasse avec une pince. On va essayer d'en faire une. Comment elle s'appelle? Une veuve noire. Mais bon, pour faire une veuve noire, j'ai pas les. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on ne va pas aller le regarder sur le ventre. Je me rappelle plus si c'est sur le ventre, la tache rouge, ou si c'est sur le derrière. Bon, fait bon, bref. Oh, on va faire de l'à peu près. Va falloir que je retrouve mon squelette. Je ne me rappelle plus où je l'ai fichu. Aussi. Et comme je vous dis, l'année dernière, je l'ai retrouvé quand j'en avais plus besoin. À cette année, j'ai dit, quand je l'ai retrouvé, j'ai dit, ah, faut que je me le laisse apporter parce que je vais en avoir besoin. Oui, c'est vrai que c'est plus pratique quand on le fait avec de la colle, hein. La colle chaude. Hein. Voilà. Voilà. Ouais, bon, allez, hop, on va coller. Elle sera comme moi, elle sera peut-être un peu mal foutue. Bon, pas grave. C'est qu'elle s'entortille. Je ne m'y suis pas pris dans le bon sens. C'est toujours pareil. Oui, mais quand on est droitier, on n'est pas gaucher. Hein. J'ai rien contre les gauchers.
Il y en a, ils sont ambidestres. Alors, pour les enfants qui ne savent pas ce que ça veut dire ambidestre, ça veut dire qu'ils sont à la fois, ils peuvent écrire de la main droite et couper leur viande de la main gauche, et vice-versa. Et, ou alors se servir, écrire des deux mains et faire les trucs des deux mains. Voilà. Puisque c'est un tuto spécial enfant. Ah ben, ah, c'est pas souvent, hein, parce que. Voilà. Ça, c'est les filets, ça, c'est. Je ne sais pas si c'est pas mieux de le faire avec du double face, finalement. Alors, on y va, on colle là, 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 on coupe ici, et comme ça, on s'enquiquine plus. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué avec la colle. Et pour les enfants, moi je trouve que c'est plus pratique. Là, c'est pour aller plus vite, hein, c'est tout, c'est pour gagner du temps que j'ai fait. Mais leur faites pas faire avec la colle. Bon, voilà. Alors, on va bien la ranger. On va la peigner un petit peu. T'as fini, toi? Y a rien. C'est moi qui parle. Ça suffit. Y a personne. Tu ramèneras ta fraise quand tu le diras. Non, mais. C'est quoi, cette façon? Hein? Et Titi? Ou alors il est en train d'arriver. Ça lui arrive aussi. Voilà, donc voilà, on l'arrange bien. Et là, ce que je vais faire ça. Donc je vais mettre de la colle là. Voilà. Voilà. Ah si, j'ai tenu la porte. Si, si, il y avait quelqu'un. Voilà. Bon, c'est sûr qu'à la limite, bon, si j'avais fait déjà le départ, au départ, comme. Et dessous, il va falloir que j'y mette quelque chose. Mais là, on va attendre que ça sèche. Bon, là, j'en ai plus besoin, hein, pour l'instant. Elle est presque finie. Ça va très, très vite, hein. On va mettre un petit peu plus haut, là. Ça c'est. Pas tout à fait sèche, c'est pas grave. Ça s'arrange. Ça se. Ah là. Ah là. Donc déjà, on a notre araignée comme ça, avec ses quatre pattes. Elle est pas belle mon araignée? Oui, il faudra que je la. Oui, dessous, j'y mettrai une bande de pour que ça tienne de ou une espèce de bâton à glace pour le tenir simplement. Bon, alors ensuite. Ah si, je vais en avoir encore besoin. Bon, alors je lui ai choisi des yeux. J'avais pas des yeux rouges. Je vais lui mettre les yeux jaunes. Voilà. Ils sont jaunes, hein. Ils sont jaunes et. Vous voyez? Ils bougent. Voilà. Alors normalement, ils sont adhésifs. Alors, je vais quand même tester. Je fous sur ce côté ou sur ce côté? Ouais, ben on va lui mettre la tête. Oh, ça a l'air de. Ouais. Alors, les yeux, vous les trouvez chez Action au rayon enfant, hein? Vous en avez. Et les fils comme ça, c'est pareil, je les ai trouvés là-bas. Donc, je vais lui faire ça.
Drôle de tronche. Donc voilà ce que ça donne déjà. Elle me fait marrer, quoi. Bon, là maintenant, on va lui faire les pattes. Alors, les pattes, elles sont un peu comme ça. Alors, on va les monter comme ça. Elle a monté comme ça. On va le plier comme ça. À peu près, c'est un centimètre, quoi, vous faites. Et vous faites de l'autre côté. Pareil. 5 centimètres. J'ai l'impression d'avoir une brigade dans les. On dirait une. Ah merde, c'est quoi ça s'appelle? Moi, ça s'appelle. Non, c'est pas la veuve noire. Non, c'est pas celle-là. C'est une mygale. Voilà. Et après, la pâte, elle fait ça. Bon, oui, moi, je le laisse un peu long parce que je pense que je vais faire. Vu ce que je vais y mettre. Bon, c'est pareil. Hein. Là, on est en train de lui donner une forme. Bon, là, c'est sûr que je rajouterai quelque chose. Ou vous prenez une tige de brochettes et puis des petites brochettes là pour apéritif. Comme la brochette est brochette, mais la petite brochette en bois apéritive. Et puis vous le mettez, et puis ça le tiendra. Hein. Je ne vais pas me faire une autre. Je me fais la poire toute seule. Hein. Eh bien, au moins, je me contrarie pas. Hein, et puis, je m'engueule si j'en ai envie. Voilà, alors voilà déjà. Voilà déjà la bouillie qu'elle a. Mais bon, toi, t'es pas trop dans le truc. Alors, j'ai des perles. Attendez. Bon, ça c'est une demi-boule. Ça, c'est mon étui à téléphone. Ça, c'est ma loupe. Ça, c'est mes piles. Et j'avais des perles. Et j'ai des perles là. Et je voulais utiliser ces perles. Ces fameuses perles que j'avais chez Action. Attendez, je la pousse. Pousse-toi. Tu reviendras après. Et fais pas de. Alors j'avais envie de mettre. Alors j'ai. Où j'ai des. C'était des perles comme ça. C'est du plastique, hein. C'était des perles comme ça à un moment donné chez Action. Je sais pas pourquoi j'avais. Alors j'ai hésité, j'avais vu. Alors j'ai hésité entre ceux-là. Qui sont en forme, qui sont comme ça, qui sont pas mal. Mais bon, comme c'est, je vais prendre cela. Alors, il en faut 1, 2, 3. Je vais tester, ça rentre très bien. 4, 6. Et de 8. Voilà. Donc, on va prendre ces perles-là. Est-ce que je vais faire? Ah oui, parce que moi, elle n'est pas commune, mon araignée. Et on va mais oui, il faudrait que je trouve encore le. Voilà. Je lui mets à la pâte et là, pour pas qu'elle s'échappe, je tourne. Voilà. Et là, tu viens par là. Là, c'est pareil. Je l'enfile. Voilà, je la. Dans le trou, hein, je veux bien, mais bon, si je vous montre le trou et puis que j'essaye de l'enfiler, je ne vais pas y arriver. Et pourquoi tu n'es pas rentré, toi? Mais tu vas rentrer de l'autre côté. Hein. De toute façon, c'est pas possible ça. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Voilà. Et le bout qui dépasse, voilà, puisque vous avez fait le pli, ben vous le. Voilà. Et ça vous maintient la pâte. Elle est un peu bizarre, hein. Moi, ouais, j'aurais pu lui mettre un collier si je voulais. Oui. Aussi. Voilà. Allez. Assez. Et un truc noir, enfilé dans un trou noir, faut le faire, hein. Bon. Tu vas t'y mettre, toi, comme il faut? Et toi, pourquoi t'es comme ça? Voilà. Non. Et quand je vois ce truc-là, voilà. Allez, viens là. Mais viens là! Là! Ah, c'est du plastique et c'est bien fait aussi. Hein. Ah.
Et vous en aurez un autre tuto pour les enfants aussi, pour Halloween. Et vous verrez. Anna. Mais elle commence à être un peu. Bon, elle est un peu rigolote quand même. Hein. Il faudrait que je lui mette quelque chose pour que ça fasse un peu. Mais quoi que là, toi, tu es pas. Là, il est plus haut. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Ça s'arrange après. Oui, c'est parce que je me suis servi directement du. Comme c'était du double face. Voilà, on est bientôt à la fin. C'est pas long à faire, hein, mais bon. C'est vrai que bon, moi, je suis. C'est pareil, je suis pas Halloween. Bon, là, ce tonneau, ça m'a pété dans le ciboulot. J'ai dit, allez, pourquoi pas. Et puis, bon, vu qu'il prévoit de la pluie, du mauvais temps. Non, on ne peut pas dire du mauvais temps, c'est le temps de saison. Hein. Là, maintenant. Mais bon, de vendredi, qu'on avait plus de 30 nous ici. Hier, ça pouvait encore aller. Mais alors là, aujourd'hui, là, le truc qui est. Ah oui, c'est parce que. Ah! Non! Pas ça, hein. Pas. Tu vas pas me faire suer sur la dernière, hein. Ah. Voilà, je le tourne, je refais. Et puis après, bon, mais. Voilà, moi je les ai bien fait pointu. Et là j'essaye de le faire à bien droit. Mais là, je voudrais qu'elle reste comme ça. Celle-là, on va la faire un peu plus comme ça. Ou comme ça, voilà. 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 C'est. Asbis? Ouais, bon, toi, t'es un petit peu quand même. Voilà. Elle est pas mignonne, mon araignée? Bon, attendez, on va essayer de voir si je peux pas lui mettre quelque chose. Non, là, j'ai rien de rouge. J'ai rien de rouge. Ouais, si je veux, je peux lui mettre un petit nœud. Hein. Mais. On va la faire bizarre, oui. Vous allez voir. On va lui mettre un troisième. Soyons fous! Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Oh oui! Je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. Attends, on va lui mettre un troisième œil. C'est Halloween, c'est normal, hein? Elle a les yeux jaunes, il faut bien qu'elle fasse peur un peu. Ah, les araignées à trois yeux. À trois yeux. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre là? Que j'ai sur le. Mais non, mais j'ai rien de rouge. Hein. J'ai rien, rien, rien de rouge. Alors, il y a du rose, des comme ça, il y a des verts, il y a des bleus, il y a des jaunes, il y a des tout blancs. Et voilà. Bon, bien fait, bon, bref, t'es. Voilà. Si j'arrive à retrouver. Je ne sais pas dans quoi je les avais mis, c'est surtout ça. Voilà. Attends, je vais te sortir de là. Essayer de trouver quelque chose de. Je sais pas, quelque chose de blanc par là. Voilà. Bon, oui, bon, mais ils sont pas très. Il faudrait les coller à. Il aurait fallu les faire à la colle chaude. Mais bon, comme je vous dis, c'est un tuto pour les enfants. Donc, bon, là, ce que j'ai fait, vous le faites directement au double face. Celui-là, bon, il a eu envie de me faire caguer. Alors, donc, voilà. Mais c'est pas possible, ça. Tu vas y rester avec ta patte, là? Tu n'as pas commencé à vouloir me filer dans les. Hé, Allah! T'as vu, j'aurais dû lui mettre une petite nœud. Oui, bon. Il y a n'importe quoi. Qu'est-ce que je pourrais. Rien du tout. Rien du tout, parce que j'ai rien d'autre. Et. Ça, c'est vraiment des grosses, grosses perles.
Ça, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Celui-là. Ouais, mais alors là, il va falloir que si je me sers de quelque chose qui est là, il lui faudrait quand même une bouche. Hein. Et comment lui faire une bouche? Avec quoi lui faire une bouche? C'est surtout ça. Qu'est-ce que j'ai là-dedans, hein, ces vieux trucs? Oh, j'en ai des vieux trucs, oui. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, je vais pas lui mettre une fleur. Non, je vais pas lui mettre. Non, là, j'ai rien du tout. Après, tout ça, c'est mes perles en bois. Ça, c'est de la récup. Opération. Il y a de la récupération, il y a de l'achat aussi. Hein. Mais bon, là, non, là, j'ai rien. Là. Non, là j'ai rien. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est une feuille, on s'en fout. Je vais pas lui mettre un cœur. Ça c'est du bleu, non? Puis c'est vrai, hein? J'ai pas de rouge. Bon, écoutez, si je trouve quelque chose de rouge, je lui mettrai. Voilà. Je vais la mettre là-dessus d'ailleurs. Et voilà. Non, on le voit pas. On le voit pas comme ça. Ah, voilà. Voilà mon araignée. Je sais pas ce que ça donne à l'écran, parce que moi j'ai l'écran, il est foncé. Donc, voilà. Eh bien, les enfants, hein, avec maman, avec papa, avec mamie, il y a pas que, des fois, il y a les mamans qui travaillent, et puis les papas, ils sont à la maison. Eh bien, oui, ben, oh, là, il y a du... Voilà. Puis on arrange bien les pattes, hein, voilà. Là, mais comme je vous dis, là, vous enfilez une... c'est ce que je... Pardon. C'est certainement ce que je vais faire, hein, mettre une brochette et puis je vais essayer, puis je vous dirai. Voilà. Et bien voilà. Donc c'était ma petite araignée pour mon petit tuto pour les enfants pour Halloween. Voilà. Alors bien sûr, si vous avez peur des araignées, celle-là, elle ne vous fera pas de mal. Hein. Voilà. Elle est pas vivante. Mais enfin, bon, si je me la mets là, ça, oui, bon voilà, ça y est, c'est bon, pas mal. Ouais, c'est mignon, ouais, ça fait un peu borgne, mais enfin bon. Ou alors vous la mettez sur un passe. Et puis vous. Et puis voilà. Oui, ça aussi. Vous avez un vieux passe, vous le collez, vous le recollez sur un passe. Et puis t'es. Ça fait un beau chapeau, t'es, mais moi, je vais me la garder là, tiens. Hop là. Voilà. Donc, eh bien, sur ce, je vous dis, eh bien. Je vous fais des gros câlins, des gros bisous et je vous dis à des chats dans une prochaine vidéo!